Bon les requins, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. On va voir ensuite et maintenant donc avec Marco le posing, voir un petit peu les éléments à corriger, les points faibles, les points forts, un petit peu de posing. Je vais te faire travailler mon loulou, ouais. Hein, parce qu'on est là pour ça aussi. Hein. Donc on va vous montrer tout ça, on va voir un petit peu. Donc là, on est à combien de semaines de la compétition Marco? 14. Donc voilà, comme on a vu précédemment, 14 semaines de la compétition. Marco a déjà une très belle condition. Classique physique, hein, je vous rappelle, tu as quel poids de corps actuellement? 94. 94 et on vise les... 84. Voilà, 84 kilos, 10 kilos à perdre. Vous allez voir, ça va être quand même une démarche assez compliquée. On l'a déjà fait auparavant, on a droit à plus de kilos du fait qu'il soit en professionnel maintenant. Donc c'était combien de kilos de différence, Marco, par rapport à l'amateur? On avait le droit à 79 kilos en amateur. C'est ça. Donc voilà, on a 6, 5, 6 kilos de plus. Du coup, eh ben c'est parti Marco, je t'écoute. On va commencer donc du coup par un biceps cage, voilà, de profil. On basculera de face après. Alors, voilà, tu poses, tu squeezes. On ne va pas le laisser traîner longtemps. En attendant, vous voyez bien, point fort de Marco, ischio, quadri. Marco, il ouvre bien la cage, il cherche toujours à affiner la taille, donc rentrer le buste, vriller sur le côté. Appuyer sur le pec pour faire ressortir. Tu peux relâcher Marco. Alors, je ne le fais pas poser 300 ans parce que pour ceux qui ne connaissent pas la compétition, Marco, tu peux le dire, c'est super éprouvant. Dites-vous que vous faites une contraction iso comme ça pendant un long moment et c'est très éprouvant. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir sur la phase de, sur la position de profil, c'est vraiment le point fort de Marco. C'est clair qu'en compétition, on a gagné des points grâce à ça aussi. Tu as l'ischio qui déborde bien. Les mollets sont super gros et en plus de ça, tu les travailles quasiment pas. Pas du tout. Même pas du tout. Donc voilà, c'est clair que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, tu vas nous montrer de face, Marco, tu vas nous faire un double biceps de face et tu vas enquiller avec une plus musclée et même avec une pose de classique. Voilà, donc ça c'est pour montrer de face. De face, Marco, c'est pareil, c'est son point fort, vous allez voir. Voilà, tu poses, rentre bien le ventre, fais un vacuum, voilà. Donc vous voyez, hein, les quadris, on a bien les quadris, le vaste externe qui est bien évasé. On va travailler encore un petit peu l'intérieur des cuisses. Sinon, on a bien bougé déjà au niveau des bras, des épaules. Il faut encore qu'on affine la taille et qu'on fasse grossir les épaules pour vraiment avoir l'effet en X. Voilà. Et qu'on prenne un petit peu de galbe sur le haut du biceps. Super Marco. Tu nous fais une plus musclée? Alors la plus musclée, elle sert à rien en classique physique, mais c'est juste pour montrer déjà la qualité musculaire que peut avoir Marco dans sa phase de préparation. Voilà. Au top. C'est bon Marco. Voilà, et tu nous finis juste par une petite pause classique de face, parce que ça, ça reste tes pauses pour la compétition. Tu ouvres bien, voilà, super. Donc voilà, comme j'ai dit, de face, pas grand chose à corriger, vraiment juste l'interne du quadri, le vaste interne. Voilà, faire grossir encore un petit peu, galber encore un petit peu les épaules, bien affiner la taille pour être en X un maximum. Tu bascules de dos, Marco, on montre quelques positions de dos. Voir la condition. Tu nous fais une double biceps du coup de dos s'il te plaît. Voilà. Donc à savoir, mets bien tes coudes en arrière. Voilà. Donc à savoir que Marco, son point faible. C'est bon, tu peux relâcher. Son point faible, donc c'était le dos. J'ai bien cété parce qu'on est en train déjà de bien bouger là-dessus au niveau de l'épaisseur. Là, on a gagné pas mal de galbes. On va continuer à travailler dessus. Hein. C'est clairement ce qu'on est en train de faire. On va essayer de gagner, comme je vous l'ai dit aussi, sur le pic du biceps. Parce que les poses de dos, c'est là où c'est important d'avoir un bon pic. Donc, on est en train de travailler dessus aussi, de face aussi. Voilà. Donc, ça, c'est les seuls éléments à corriger. Toute la chaîne postérieure, en termes d'ischio, fessier, tout ça, on est très bon. Parce que Marco, une fois qu'il est sec, ça découpe de partout. Donc, il n'y a aucun souci. Le but, en fait, quand Marco va être de dos, c'est vraiment, et tu le sais à chaque fois, c'est d'ouvrir tes cuisses vers l'extérieur pour. Ça reste de l'illusion, ça reste en fait un travail sur le visuel. Donc ouvrir ses cuisses vers l'extérieur va lui faire gagner automatiquement en volume. Du moins, ce que les juges vont voir, c'est un volume plus important de la cuisse. Voilà. Donc c'est pour ça que sur scène, vous avez toujours les compétiteurs qui ont les pieds légèrement tournés vers l'extérieur en ouverture pour justement donner plus de galbe à la cuisse que si elle était toute droite ou là, effectivement. Ça reste dans l'alignement, dans le prolongement, donc vous n'avez pas le même effet. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous faire une dorso de dos, s'il te plaît? Bon, elle n'est pas dans les poses classiques physiques, hein, rien à voir. Voilà, penche-toi un tout petit peu vers l'arrière. Voilà.
Nickel. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je disais, hein, l'ouverture avec le vaste externe, donc on est nickel. C'est bon, tu peux relâcher. Voilà, donc pour l'instant, ça ne sert à rien d'en montrer plus. De toute façon, les poses de classique physique, je te laisse les citer, maintenant que tu es dedans. Donc il y a double biceps de face, de dos, le biceps cage, abdos et cuisses et la pose classique, tout simplement. Voilà. Et quand tu fais l'abdos cuisse, c'est aussi le vacuum à faire, qui est forcément un plus, surtout même aussi en double biceps de face. Voilà. Il n'est pas obligatoire, mais en fait, c'est quasiment indispensable, chose que tu as fait d'ailleurs en compète quand tu as ta carte pro. Voilà, donc on a pu voir la condition de Marco maintenant, eh bien, à 14 semaines de la compétition. On vous montrera un peu l'évolution, on va suivre tout ça, on va se revoir de temps en temps dans la prépa, parce qu'on n'habite pas à côté non plus, mais à chaque fois qu'on fera un bilan ensemble, on vous montrera l'avancée de tout ça. N'oubliez pas, je vous invite vraiment à suivre Marco pour sa prépa, puisque lui vous fera des vlogs bah voilà, de l'avancée de sa préparation, de sa diète, de tout ça. Donc vous verrez pas mal de choses. Et moi de mon côté, eh ben, tous les bilans ensemble et puis l'avancée qu'on peut faire ensemble. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le voyage, etc., et les coulisses, et les derniers jours, et la dernière semaine, les choses qui se corsent un petit peu et qui prennent beaucoup de temps. Donc en tout cas, je vous remercie à tous pour ce partage, pour cette vidéo, pour ce moment ensemble. Merci mon petit Marco d'avoir fait le cobaye encore une fois. Et puis surtout, n'hésitez pas, hein, pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager un maximum, à donner un maximum de force. À notre petit Marco qui va quand même représenter la France en classique physique. Objectif, on n'oublie pas, Olympia 2021, même s'il y a beaucoup d'étapes entre temps, ça reste l'objectif final. Donc on compte sur vous en tout cas pour nous supporter. Et puis ben, Marco, je te remercie encore. C'est moi. Et on te souhaite tout le courage. Et voilà. Sur ce, les requins, la bise à tous. Ciao, ciao. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous et suivez un maximum. Je vous remercie à tous. Ciao.